Et bien le bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Draken sur Ivasan Studio. On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur Borderlands Gothic Unsaid. Et je suis accompagné de Jake. Bonsoir Jake. Oui, bonsoir. Du coup, nous allons essayer de terminer notre fameux niveau de Borderlands. Qui nous avait bien énervé, enfin, moi m'avait bien énervé la dernière fois qu'on l'a fait. Est-ce que tu es ready, Jake? Tu es chaud patate? Oui, est-ce que j'ai toutes les... Oui, je pense que j'ai toutes les munitions. Oui, normalement, quand tu commences une partie, t'es en... t'as toutes les munitions. Ah, je savais pas ça. Ah oui, c'est... Du coup, c'est vrai. Il faut, hop, joueur muet. Hop, voilà. Et du coup, de mémoire, oula, j'ai l'habitude de tinitina. De mémoire, enfin moi j'avais refait mes talents, mes points de talent. C'est pas possible. J'avais refait mes points de talent, mon arbre de talent. J'avais enlevé le truc de réanimation là qui servait à rien du tout. Et l'augmentation de... Enfin non, la santé, je l'avais pas pris. Et j'avais pris le missile autoguidé. Comme ça, j'avais deux arbres de talent, entre guillemets, à moitié full. Comme ça, on était bon. Bah, tu me dis quand on y va. Je pense qu'on peut y aller. Eh ben, c'est C'est l'arène, parti. hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. On va continuer notre l'arène. Et on s'était arrêté à la deuxième arène. Alors, je sais pas si ça va reprendre au même nombre de vagues que l'on s'était arrêté. De mémoire, l'arène elle est en dessous. C'était le truc éridien bizarre là. Voilà, c'est ici. Angelic Ruin. Yo! Et j'espère que on va devoir pas se retaper les 25 manches. Et il y a de grandes chances que si. Alors. C'est parti, on commence qu'on mange bien, allez. Je pense qu'on recommence manche une. Ouais, round 1, c'est ça. Donc du coup, c'est parti pour les 25 rounds. Allez, let's go. Donc on n'oublie pas, première vague c'est les gens habituels. Deuxième vague c'est les flingueurs. Troisième vague les... Brutaux, si je dis pas de bêtises. Il pique les pépères. Il est où? Bah non, t'inquiète, t'inquiète, je suis ici. Ah voilà. C'est mieux avec la tourelle qui balance des missiles. Il est où le méchant? Ah. Et il est là-bas. Et du coup, oui, ma... Oui, c'est vrai, il y a le... on voit les gens en bas. Et du coup, mes points de talent me permettent, si j'arrive à viser, bien sûr, dès que je touche quelqu'un, je... vache. Je réduis ma compétence de 2 secondes. Ah oui. Le rechargement de ma compétence de 2 secondes et... ça peut être effectif toutes les 5 secondes. Donc ça pourrait être pas mal. Et elle tire des missiles maintenant. D'accord. Allez, c'est parti. La vague des flingueurs. Oh, sérieusement? T'as besoin d'aide? Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Hop, la petite tourelle, on n'oublie pas. Ah non, le missile du coup il se lance pas. Je suis déçu. Ah oui, c'est vrai, ma tourelle elle fait des dégâts électriques. Il y a une brute derrière. Voilà.
Ils viennent terminer une autre vague. Il faut de la santé. Elle est où la santé? Ah, c'est bon. Je crois que c'est, la... c'est pas les Brutas. Non, les Brutas, c'est les derniers. Brutas, c'est les derniers. C'est quoi? Ah oui, c'est la Horde. C'est vrai, c'est qui court partout. Oui, il a pop devant moi. Finaise, il m'a fait peur. D'accord, ok, c'est le bordel. Après, normalement, on peut éviter les coups. Si j'arrive à viser correctement, si, attention derrière. C'est bête qu'on n'a pas de batteuse. On a une grosse mitraillette là. Il est où le dernier? Il est là-bas. Ah, il balance des haches là. Hop. Le public est en force ce soir. Ils adorent se voir terminer une vague, pas vrai? La vague des Brutas. Voilà les vilains méchants. Et là on va pleurer. Ah mais du coup, ah, c'est débile ça avec le missile, il part vers le... Oui c'est vrai que j'ai mes grenades moi. Qui se téléportent. Mais c'est quoi la hitbox? T'inquiète pas. En plein dans les... Oh non chérie, ça ne va pas? Le jeu est trop difficile pour toi. Putain mais je suis... Ah ils sont embêtants avec Oh non, elle est perdue. T'inquiète, celui-là, tu pars. Il est où le dernier? Il est là. Toi t'es mort. Voilà. Du coup tu vas rester. J'espère. Oui. L'huile. Et là du coup c'est le boss. En général, c'est pas les boss qui nous embêtent le plus. Ouais non, c'est les Brutas. Et encore, là ça va parce qu'on a, souviens-toi que normalement, ils ont un bonus là. Enfin, on a un bonus ou un malus à chaque round. Ah, puis le coup de la réduction de dégâts là, c'est n'importe quoi. Ouais, ok, d'accord. Je laisse le taper. C'est moi ou il est un vache? Pardon? Oh non. C'est quoi ça là? Ouais, bouge ta tête. Ouais, check. Oh la vache! Ah, tu l'as tué non? Ouais, c'est moi qui l'ai tué. Ouais. J'ai tué, heureusement j'arrivais, je pouvais viser avec comment? Oh, mais non, c'est vrai, j'ai pas mon arme d'habituel, c'est ça que je me dis, je fais, d'habitude je vais bourriner mieux. Ah là, viens, cours. Ah oui, c'est vrai, c'est le loot. Ouais, prends-le, de toute façon il est pas ouf, je pense. Je sais pas si j'ai réussi à tout prendre. Ouais, non. Je me souviens, j'avais la grosse mitrailleuse. La mitraillette légendaire. Mm. Du coup, c'est parti. Round 2.
et ils ont les bonus. Et non, c'est quoi le bonus? Les ennemis... Oh, oh, ça, 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 franchement, ça, c'est le bonus qu'ils ont tout le temps, ça. Tant qu'ils ont pas le truc qui court là, plus vite, au moins, on est bon. Allez. Ils spawnent juste en face. C'est pas possible, c'est cool, là. Voilà. Je me souviens comment... On prend l'arme légendaire et on brûle. Oh, c'est du coup, Jake, tu fais du coup. Tu fais quoi? Faut pas mourir, hein. Faut pas mourir. Il est où le dernier? Par contre, on voit que j'ai beaucoup moins de vie. Hein. Allez. La vie ne te régénère pas à fond. Je suis déçu. Ah, ça tu vas pas aimer. Allez, après ça va, c'est la horde. Ah non. Ah non, c'est vrai, c'est les flingueurs. Ils spawnent tout au fond là-bas. Et bien sûr, les coups critiques sont inutiles. C'est très sympathique pour toi. Il a vraiment la tête ailleurs. Hop. Vraiment, ils sont insensibles aux critiques. Oh bah oui, c'est ça. Parce que j'ai pas l'impression. Non, bah, normalement, quand tu leur tires dans la tête, tu t'as pas de critique, normalement. Bah, j'ai ça critique, ça s'affiche quand même, et j'ai eu un OS, ah ouais, donc... Ah, ok, c'est bizarre, normalement, c'est... Bon. Tant mieux pour nous. Oui, oui. Tant mieux pour nous. Les joueurs, les ennemis... Ah, non, ah, j'aime pas celui-là. C'est la vitesse. Ouais, c'est la vitesse, et en plus, c'est la horde. Bon, ça va. Ça va, c'est la horde. Oui, mais j'aime pas la horde. Rien ne se résiste, hein, Roland. En plus, c'est embêtant, moi, c'est que la horde, je pourrais les tuer facilement, mais comme ils sont résistants au feu, ma maîtresse m'a fait 0 dégâts. Oui, c'est vrai. Il faut pas que je lâche le bouton. Oula. Alors. C'est... Heureusement, ça... j'ai fait un truc... Tout... Du moment qu'on a passé avec la vague des brutasses, je pense que ça passe. Alors, c'est quoi? Les pistolets infligent un tâche de dégâts. Ouais. Et les brutasses. Tu te dis que t'es dans la mouise, mais tu n'as pas encore affronté la vague brutale. Oula. Ah oui, en plus c'est les gardiens là. Oui, c'est fait carrément beaucoup moins de dégâts. J'essaie de passer. Voilà. Mon détail est à terre, mais est-il éliminé? Ils sont relous. Ouais. On va pas réussir, hein, je pense. Moi, je vais mourir. Hein. Officiellement. Oh, je suis mort aussi. C'est pas possible, ça.
C'est vrai qu'il faut leur faire des coups critiques à eux, mais... Ils vont tellement vite. Ouais, surtout qu'en plus avec leur bouclier à la... Con, hein ! Allez ! Non, le coup du pistolet, mais c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que ça sent le brûler, non ? Oh, mais sérieusement ! En plus, ils font la petite pause, quoi. Eh B, non. S'il vous plaît, pas ce truc de pistolet naze. Non, il le garde. En plus, c'est avec le boss. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le premier boss. Oui, il crame. J'ai vidé mon chargeur sur ta tronche. Tu te souviens plus, c'est le premier boss qu'on a... C'est lui avec le lance-roquette, le fusil à pompe. Et pour Ghost Rider le truc ou quoi? Oui, là carrément, là ouais. Là avec la mitraillette, je pense que c'est le meilleur à faire. Le loot, le loot! Vite! Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme loot? Nul. Nul. Oh. Plus le défi du pistol. J'espère que le défi du pistol il va pas rester jusqu'à. À chaque fois, on est encore avec ça? Bah j'espère qu'il... Je crois qu'il va rester. Ah non, c'est bon. Je crois que c'est la dernière vague qui reste. Les ennemis affichent des dégâts supplémentaires. Oui, allez, allons-y. C'est pas comme si on avait... On galérait déjà assez. Où est-ce qu'il spawn? Où est-ce qu'il spawn? Il spawn en face. Est-ce qu'ils vont chercher des endroits de spawn? Parce que... c'était bon la vache. Des munitions. La horde... Ah non, c'est les flingueurs. Allez, bah vas-y. Ils spawnent tous là-bas. J'avais promis du spectacle, pas vrai? Eh bien, t'avais pas menti! Franchement, ils ont des lunettes de snipe, c'est pas possible.
Vas-y, brûle. C'est bon. Il reste 2. 1. Il est où, lui? Il est passé où? Il a spawn tout là-bas, sérieusement? Ouais. Je vais attendre que tu aies terminé le round avant de te féliciter, d'accord? Oui, mais allez-y, faites rebondir les munitions aussi. Là, courir. La santé du joueur décroît progressivement. Oh non! Reste à côté de moi, comme ça on est bon. Je mets la tourelle. Ils sont tellement nombreux! Qu'est-ce que tu vas faire contre la base de la horde? Allez, voilà. Hop. Ah, mince, ils se sont suicidés sur toi. Oui, oui, j'ai vu ça. Il y en a encore un qui arrive qui est au fond. Attends. Hop, il est où l'autre? Il doit être planqué. Planqué. Ah ouais, c'est ça. C'est toujours le même, hein, qui passait derrière son mur. Hop. Alors on sort la mitrailleuse. Et on est parti. Hop. Une arme élémentale ? Oh oui, ça c'est cool. Ils vont cramer, Jake. Ton snipe c'est un élémental ou pas ? Oui. Ah, cool. Enfin, j'ai deux snipes. Un élémental que je sais pas gérer et là. Excusez-moi. Allez, celui-là on tombe pas. Par contre c'est embêtant que quand tu te fais tirer dessus, t'as le recul là, qui... On se fait tirer de... Là, ils sont où les mecs? Ah, ils sont derrière. Ils sont... Alors, hop. Ah, j'ai un succès de 2,1 giga. What? Ah, ça donc c'est. Drone. Ouais, tu as tué. Oui, mais c'est que tu as tué 100 personnes, je crois, avec des dégâts électriques. D'accord. Alors, est-ce qu'on garde ce défi, s'il vous plaît? Oui. Ah bon, on reste sur l'élémentaire. Ouais, on reste sur l'élémentaire et c'est le boss. Autant dire que ça va faire du Ghost Rider. Attends un peu. Allez, on brûle. C'est vrai qu'il y a son cleps. Ok. Et ben easy. Ah ben voilà. Easy le boss. On peut garder ce bonus tout le temps. C'est cool les armes qui pop sous le sol. C'est bien le jeu. Tu vois des armes ou... Il y en avait 4. J'en ai vu qu'une moi. J'ai vu qu'un flingue qui était dans le sol. Il y a deux revolvers, un snipe et... Bien joué, bien joué. Je dois l'admettre. Ça fait du chemin. Alors... S'il vous plaît, peut garder ce bonus tout le temps. Tu me dis sur quoi on est hein, on... Ouais, t'inquiète pas. Les armes des ennemis ont des plus gros chargeurs. Ok. Mais on repasse pas sur le... Enfin, c'est plus élémentaire là. Non. Là c'est les ennemis qui ont plus de balles. Après c'est un peu inutile, je trouve. Alors, ils sont là. Tu vois, genre ce bonus pour la horde, ça aurait été. Voilà. Ah, d'accord. Bouge pas, j'arrive.
Voilà. Je ne l'ai pas vu arriver. Il y en a qui sont là-bas au fond. Oula, attention, parce que si j'ai bien vu, il y en a qui a un lance-roquette. Oh, sérieusement. Sérieusement. C'est moi ou c'est toi qui... non, c'est toi qui... J'ai eu peur. Pourquoi ça spawn et ça bouge? Alors... les ennemis sont plus résistants aux dégâts. Yes. Sachant qu'ils ont 2% de santé en plus, c'est cool hein, spawner sur nous aussi. Oui, c'est carrément... Oula. Oh non! Allez! Mais... Non. Je suis en train de spammer mon bouton E. T'inquiète, il meurt, je te raise. Et il voulait pas te raise. Ah, les mecs de la lance, c'est les pires mecs à tuer. Techniciens. Là. Ouais. Déjà qu'ils ont leur bouclier pourri. Attends, c'est bon. Allez. Il y en a sur derrière nous. Il est tout au fond là-bas. Hop. C'est bien, moi, ça nous permet d'augmenter les niveaux des armes. Je suis à combien, moi, la mitrailleuse? Je suis level 17 au SMG. Ah, c'est la horde, attention. La horde, et ils font plus de dégâts. Donc là, faut courir. Je pense que c'est mieux à faire. Ah oui, le mec il te campe. C'est qu'il est complètement débile. Il te campe alors que... alors que t'es au sol quoi, enfin, c'est débile. Hop. Les brutas, s'il vous plaît, remettez le bonus des mentales. Les ennemis se déplacent. Oh non. C'est celui qu'on avait perdu. Celui sur lequel on avait perdu la dernière fois. Et en plus, je crois que c'était à ce round-là. C'est horrible. T'inquiète. Les critiques me font pas grand chose. Ah mince, y'a les gardiens. Je te laisse tuer les gardiens. Ah, c'est vrai, ils se battent entre eux. On vise les soldats, donc c'est à ce moment-là qu'ils se battent entre eux. Les gardiens... c'est mieux de tuer les gardiens, c'est mieux de focus les gardiens d'abord. Ah bon? D'accord. Ouais, parce que... enfin, toi, tu peux leur faire plus de dégâts parce que tu passes leur bouclier, mais moi, je leur fais zéro dégâts, en fait. Et c'est les pires. Parce que les dégâts type du gardien, c'est des dégâts électriques. Donc ça nous défonce notre bouclier. C'est là, on l'a passé. Attends, on est round 5, manche 4. Manche 5, round 4.
On a réussi à dépasser où on était arrêté la dernière fois. C'est sûr, ça. Oh non, le boss il court plus vite. Non. Les ouais, pourquoi les délais? Non mais sérieux, c'est quoi ces boss? Ils ont des lance-roquettes? Alors les petits mobs, non merci par contre. Putain wesh, j'avais vu. Aïe aïe aïe! Non! Je ne pourrai jamais! Non, mais sérieusement? Une autre encoche sur mon. Allez! Le boss arrive, c'est bon, ça passe. Merci. Wesh! Il est où? En bas. Allez, crame. Burn. Voilà. Au moins c'est sûr on est bloqué à celui-là. Alors. 5. Nul les trop gros, nul. Par contre ouais, il faut de l'huile là. Ils ont mis de l'huile ou pas? Non mais. Vague round 5. Allez. Si on arrive à survivre à ce round là, on pourra passer. La map suivante, la dernière. Un autre round. Pourquoi t'as enlevé ton bouclier? C'est pas moi. Ah non, tous les joueurs n'ont pas de bouclier et les ennemis ont des boucliers plus solides. Mais sérieusement, c'est quoi ces bonus? Parce que là, on n'a pas de bouclier tout le long du round 5. Oh putain. Heureusement, bon après notre vie elle se régénère. Mais... Heureusement, tu peux passer à travers les boucliers. Derrière nous. Ah, ça c'est le pire truc. Pas de bouclier tout le long du round quoi. On va mourir quand ça va être les motos. Là-bas. Oh, sérieusement. Qu'est-ce qui va pas? Tomo. Il y en a derrière nous là, il nous fait. Il nous fait un sandwich. Là. Voilà. Imagine ta vie. Hop, Sanguine qui se prend les murs. Oui, j'ai vu ça. J'ai eu un souci de GPS, je pense. Arrête de bouger, toi là. Allez, s'il vous plaît, remettez-nous les. Ah non, il y en a encore un. Et il est peut-être trop. Il est où. Se suivent et ne se ressemblent pas. Ouais, voyons c'est bien. Si tu es capable d'arriver au bout du round. S'il vous plaît. Change de bonus. Ah, ouf. Ouf. Ah, donc les ennemis, ils auront toujours un bouclier plus solide. C'est l'heure du défi pistole. Tu vas pouvoir utiliser ton pistolet. Ok. Et rien d'autre. Bon, je préfère ça que quand nous on n'est pas de bouclier. Par contre, c'est la vague des flingueurs et c'est le défi pistole. Et ça, c'est chiant. Allez, hop. On est bon.
Et c'est ce, il y en a plus que un là. Ah non, j'ai rien dit. Il y en a encore beaucoup. T'es où? Au final. Oui, t'es tout là-bas. Non, j'allais te. Et Sanguine qui se prend les murs encore. Ah oui, mais Sanguine, je sais pas. Et il reste encore tout seul là-bas. Alors ils sont où? J'ai même pas le temps de les tuer, tu les tues déjà. Et là. Et le dernier est tout au fond, je parie. Tu nous échapperas pas. Allez, ça c'est fait. J'en connais qui pourrait. Ils sont les. Bien, ça en met sur pied. Pas vu grand chose tomber. Ouais, j'en ai une là. Oula. En cours. On court plus vite. Et les ennemis aussi. Bon, après, ça c'est la horde. C'est parti. Cours tout le temps, Jake. Ils sont tellement nombreux. Qu'est-ce que tu cours veux pour ta vie, Jake. C'est ce qu'on appelle les kiting, les enfants. Et déjà que les nabos, ils courent plus vite, alors... Que ce jeu parle. Oh là, tu me fais quoi, Jake, là? Oh non! Pas ça, pas maintenant. Il n'y a pas un qui veut. J'ai même pas fait exprès. Mais il t'aime, c'est pas possible! Ils sont tous sur toi à chaque fois. Si je suis désolé. À chaque fois. Attends, arrête de bouger. Ah, c'est fini, pardon. Oui. Voilà. Hop. Récupérons de la vie, des munitions, la manche des brutasses. Ça court encore. Ouais, c'est normal. Là, c'est bon. Les boucliers des ennemis se régénèrent plus vite et ils sont beaucoup plus solides. Non. Où est-ce qu'il spawn? Alors. Ah, oh, c'est les gardiens en plus! Faudrait que je chope une arme électrique. Ah, c'est bon. Attention, il y a les techniciens de la lance derrière. Ouais. Ils sont derrière aussi, vache! T'inquiète. Non, c'est bon, t'embête pas. Bon, bah. Allez, on court. Je te laisse. Je m'occupe des mecs de la lance. Je te laisse te charger. Des gardiens. Il en reste beaucoup. Mec de la lance, non. Je suis mort. Il en reste plus que deux. Trois. Et j'ai quatre personnes avec moi là. Non. Deux. Ils sont deux en fait. C'est bon. Il est en train de cramer. C'est en fait c'est parce que c'est les tourelles Scorpio. Hein. Voilà. Allez, on régène la vie, le boss, et si on arrive à passer ce boss-là, au moins, on aura terminé. C'est sûr.
Bah oui, c'est le round 5. On est au manche, à la manche 5 sur le round 5. Mais on a fait 3 boss, enfin 2 boss. Là. Ah non, attends, me dis pas qu'on est à la vague, on est qu'à la vague 3. Non, route 5, vague 5, donc c'est bon. Les boss ont leur bouclier qui se régénère plus vite et un bouclier plus solide. Mm. On va pour le raid, Jake. Eh bien, oui, bonjour, Diaz. Désolé, je ne t'avais pas vu. Allez, vas-y, c'est bon, c'est bon aide, on le défonce. Et là, Jake de nouveau en train de manger les pavés. Non, ça va. Mais ça va, je pense que... T'avais refait tes talents, toi? Non. Non, même pas. Ah, bon, c'est bon, on a fini? Non, j'ai voulu garder les trucs à travers le bouclier, tout ça. Ah oui, mais c'est... je me souviens qu'on pouvait pas sortir. Bah si, tu te souviens plus? Je m'y attendais pas. On a une pourrie. Oui, ça va. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi c'est... Ah, c'est... oui, c'est vraiment la fin. Attends, c'est bon? Attends, je sais pas, il y a un décompte. Est-ce que je vais avoir mon certificat parce que machin? Voilà, victoire, j'en ai fait. J'ai tué 175 personnes et toi 72. Du coup, j'ai le certificat de brutalité qui me donne plus 1 en brutalité. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, t'as vu, on a. Donc, là, voilà. C'est toi qui a TP ou c'est. Ça s'est TP tout seul. Donc, la dernière fois, c'était un bug. Ok, ouf. Ah ouais, j'avais pas envie de quitter encore une fois. Et donc étudiant, on va aller acheter du stuff. Ah oui, il y a boutique, hein. Pause boutique. Où la boutique? Au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok, j'ai eu... Bon, c'est... Ah oui, j'ai eu peur. J'avais le jeu qui me disait, non, je sais pas à quoi ça correspond l'arme. Le fusil à pompe, est-ce qu'il est mieux? Non. Alors, je vais prendre le snipe électrique par contre, parce que ça va être utile, je pense. Il fait carrément moins de dégâts que celui que j'ai, mais au moins on est bon. Les munitions, il n'y a pas besoin. Ah oui, c'est vrai, il y a les kits d'opti, c'est vrai. Shotgun à 180. Péter un pistolet. Bah quoi? Voulez-vous utiliser ceci? Bah oui. Et le jeu qui m'énerve. Ah bah vache. Il voulait pas que je clique sur OK pour améliorer mes armes. Sniper rifle. Non, c'est bon. Est-ce qu'on a un meilleur bouclier? Et après c'est là-bas. Okay. Et après c'est The Gulai. Qui est... où est-ce qu'il est? Il est là. Alors... Je pense que je suis prêt. La quête, c'est comment on fait là? C'est rendu, c'est ou c'est après? Là non, on doit encore terminer la troisième zone, donc faire les 25 manches dans la troisième zone, et après on aura terminé la quête de l'Underdome. Si on survit. Enfin, je préfère dire Gulai, hein, parce que. Et du coup, toujours le même principe, 5 vagues, 5 rounds. Et là, par contre, on aura 3 bonus. Enfin, il y aura 3 bonus potentiellement malus. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se cacher. Tu trouves que ça fait mal? Attends un peu de voir ça. Alors, oh, le gros caillou en plein milieu, dis donc. Alors, c'est quoi les monstres qui spawnent? C'est des petits chiens.
Attends, parce que... Ah, oui, parce que moi, je les voyais pas. Bonjour, monsieur. Il met du temps pour venir. Oui, oh, peut-être qu'il bouge pas, en fait. Ok, il y a des tonneaux, fais gaffe. Ah. Enfin, des bidons, là. Oui, oui, les bidons. Les... Ah oui, ils sont en haut. J'avais pas vu. J'arrive, Jack, attends-moi. Je suis le caméraman, attendez. Oh, il y a un TP. Comment ça, il y a un TP? Bah là-bas, il y a un TP, là, regarde. C'est un TP. Youhou! Hop! Je suis de l'autre côté de la map. Ah ouais. D'accord. Et du coup, tu peux faire le même sens inverse. Hop! Alors, du coup, je pense que les ennemis pourront le prendre aussi. Ah oui, oui, il y a des chances. Ce qui sera... Enfin, si c'est bien codé. Parce que ça... Ouais, si c'est bien codé. Oh, la vue qu'on a! On dirait qu'on est les commentateurs de l'Eurovision. Par contre, il est où le méchant, là? Le Joe, là. Il est où? Il est caché. Oh là, ah, d'accord. Il était caché derrière la pierre. C'est même pas. Oh, on a une belle hauteur, ici. Ouais, j'ai remonté, parce que comme ça, au moins... J'aime bien, là où je suis. Si jamais... Ouais, enfin, après, attention, parce que s'il spawn derrière nous... Oui. Voilà, quoi. En plus, c'est la vague des flingueurs, donc... Alors ouais, c'est qui on meurt à l'ouest. Ah, bah ouais, les flingueurs ils se posent justement là où on est. Ouais, parfait. Ah, paria féroce. J'aime pas ça là-bas. Aïe. Aïe. Oui. Non, 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 ok, tu fais pas ça. C'est chiant, là. Oui, c'est que. C'est. Oui, si. J'ai dit un robot. Je sais pas où ça te sert là-bas. C'est juste en face. Alors, les pépères ils sont tout là-bas. Mmh. Est-ce qu'on prend le TP? Ouais, je pense que si on prend le TP. Mettre par là. Ah, le TP il bouge sur la map, la mini-map. Sérieux? Ouais, c'est, en gros ça fait une. Si vous regardez bien, monsieur dame, si tu vois en haut à droite, ça fait une. Bah, la roue qui tourne en fait. Et du coup, ouais, les ennemis. Tu n'atterris pas forcément au même endroit. Ah bon? Non, c'est la question. Bah, si, c'est toujours à ce TP là. Si, c'est toujours. Si, tu t'es. En fait, c'est juste pour traverser la map en fait. Ah. Regarde où je suis. Attends. Je tue les gens, j'arrive. Hop, je reprends le TP, j'arrive. Non, justement. Ah oui. Le TT. Ah oui, carrément. Bonjour. Bonjour, monsieur. La horde, Jack, la horde. Ah bah, qui vient de me chercher. For the horde. Non, non. Si, for the horde. Et un peu for the alliance aussi. Non, 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 que l'alliance. Ah mais du coup ils vont tous venir vers moi. Oui. Non, on m'a poussé. Bien fait. Voilà. Le jeu il a dit non, tu triches pas. Et voilà, et voilà, et voilà. Comme il dit Diez, comme il disait Diez, tu joues avec le pavé. C'est bien, bouge pas, je balance une grenade. Mais je bouge pas, je suis mort donc. Regarde, hop. C'est ça que je comprends pas. Tu tombes au sol, il continue de t'attaquer. Du coup, j'ai juste à balancer mes grenades à tes pieds, puis c'est bon. Ah, non, j'aime pas ça. C'est avec des brutasses. J'aime pas ça. Non. Voilà les vilains méchants. Bon, ils spawnent en bas. Ils ont spawné de l'autre côté. Qu'il y en a un sous mes pieds. Moi j'ai un énorme qui me court après. Ouais, il y en a un, il a pas compris où j'étais. C'est très rigolo. Ah, j'en ai encore un derrière, mais c'est bon. Faut que j'arrive. Voilà, ça c'est fait.
C'est toi qui as une passerelle ? Oui, c'est moi. Parce que du coup, en fait, tu l'es fait bugger, regarde, il bouge plus. Mais oui, c'est pour ça, je trouve ça trop bien là où je suis. Ouais, attends, parce que quand il y aura les boss, ça va être vraiment marrant. Hein. Quoique. Non, parce que les boss ils spawnent là, hein. Ils spawnent à la scène. Hein. Oui, mais alors justement, je dis si j'ai la scène en visu. Ouais, et, mais aussi ils vont t'avoir en visu. Et t'as rien pour te couvrir. Au revoir. Et du coup, bah en parlant de boss, préparons-nous. Entracte. Préparons-nous. Car me voici. Allez. Ça va, le round 1, ça allait encore. Ah. Le petit. Je vois plus le roi, il a rien dit là. Et là, il va vraiment faire son rond. Allez. Paf. Appuie le roi, petit petit. Et les récompenses, elles vont où ici? Elles sont à l'endroit où on a spawn. Donc. C'est-à-dire? Ici, là. À ta droite. Ah, pardon, j'avais pas vu. Ici. Alors. Pas ouf. Pas ouf. Vas-y, prends. Retournons. Mon spot à moi. Attends. Oh, ouais, c'est le qui apparaît à l'écran. Bah oui, mais tu l'as toujours ça. Non, justement, c'est la première fois que je l'ai. Ah ? Ah tiens, parce que ça, c'est ce que j'ai moi à chaque fois. En gros, c'est pour le, c'est pour dire le nombre de personnes que t'as tuées par score. Et en fait, à chaque fin de score, oh là, enfin, à chaque fin de round, pas round de fin de manche. Celui qui a tué le plus, il gagne plus 1 en brutalité. Mmh. Okay. Voilà, je sais pas à quoi ça correspond, mais... t'as plus 1 en brutalité. Voilà. Ils sont tous là-bas. Ma SMG, elle a autant de précision qu'un sniper. C'est hallucinant. Je croyais qu'il était une carte. Hop. Il y en a un là-bas. Entre les poteaux. Poteaux. Il y en a un entre le caillou et le poteau. Et le dernier, il est caché derrière le truc rouge. Ou derrière un caillou. Vu. Tu l'as trouvé ? Ouais. Il est devant toi. Ah oui. Passe sa tête là, Michel. Hop. Je préfère cette map là à celle de tout à l'heure. Ah, j'aime beaucoup mon spot. Ah oui, elle est grave et encore mieux celle-là. J'aimerais bien récupérer des munitions. Là c'est bon. Ouais, les critiques font plus de dégâts, ça. Tire à la tête. Ouais, en plus c'est dingue. Donc il n'y a que les tirs à la tête qui font des dégâts. Un peu critique à la tête, ouais, c'est mieux. Ah oui. Est-ce que les tonneaux ripop ou pas? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je tire dans la tête, pourquoi ça fonctionne? Non, parce que tu tires pas dans la tête. Dans l'épaule, je pense. Par contre, c'est marrant, c'est quand tu fais exploser un poteau à côté d'eux, ils sont projetés genre en mode cartoon. Ok, d'accord, je travaille. Ok, je suis mort. Merci. Thérèse. Ah ouais. Je suis à terre. Hein. Ouais, ça. J'ai fait exprès de tomber parce que sinon c'était galère pour venir me chercher. Ouais. Je fais pas du parcours. Hein. Ils sont là-bas au fond. Ils sont où les autres?
le dernier, il est caché là. Voilà. Les munitions, parce que j'en ai pas eu tout à l'heure moi. Ah, j'en ai vu passer. Voilà. Les Rocket Launcher infligent plus de dégâts. C'est l'heure du défi Rocket Launcher. Tu vas pouvoir utiliser. C'est parti. Tant que les autres armes sont pas nerfs, c'est tant mieux. Ok, c'est là, donc je suis retourné sur mon spot. Je pense que je suis bien quand il y a l'ordre là. Quoique s'ils viennent tous au même endroit. Non, t'inquiète, je vais essayer de les appâter. Ah non, c'est bon, il reste un épier. Oh, ah, ouais. C'est une galère là. Il y en a un qui est juste en dessous, il te regarde. Oui, oui, mais oui, c'est pour ça, je te dis. C'est... J'aime bien cette map. Oh, c'est bien, ça me fait d'XP avec mon Rocket Launcher. En vrai, t'as un souci ou un truc comme ça, tu dois partir du système, hop, tu te mets là en safe spot. C'est bon, t'es bien. Je dis si jamais, genre, tu te répètes en mode safe spot pendant la vague de la horde. Allez, hop. Les brutasses, si je dis pas de bêtises. C'est chiant ça, ils sont plus résistants. T'as ça parce que je crois qu'ils se spawnent hein. Ah non. Ils spawnent tout en bout. Je suis en arrière. Il y en a c'est des skags. Oh non, punaise, c'est des chiens. Ouais, c'est des skags. Je suis avec toi. Hein. Ouais, ouais. Ah, il y a des gardiens aussi. Oh, putain. C'est bon, ça va les gardiens ultra résistants Ça va? Je peux pas tirer à travers les barbelés. Ouais. Ils ont des dégâts, enfin ils ont des hitbox, c'est bizarre. Attends, je sais des fraises, je vais être gêné. N'hésite pas à prendre ça en bien dès que tu peux. Ouais, t'inquiète. Il est plus résistant, punaise. Oh oui, c'est carrément beaucoup plus résistant. C'est qu'ils en plus ils ont un bouclier de malade. C'est ça qui est embêtant avec les gardiens. Bon, je te rassure, dans les prochains Borderlands, ils seront carrément plus faciles à tuer. Hein. Okay. Ça, il n'y a pas photo. Alors. Oh non, c'est le boss avec la. Le buff de dégâts. Enfin, de défense. Oh mon dieu. L'arme de ce type est incroyable! Prépare-toi! Il arrive! Le voilà! Maître McCloud! Et, c'est le, y a, et en plus, il y a la défense et c'est le mec avec le. Le bouclier, je crois. Ah non, c'est celui qui fait des dégâts aériens. Je leur fais quasiment pas de dégâts. Alors, moi, là, le seul dégât que je leur fais, c'est. C'est grâce au feu, hein. Sinon je leur fais quasiment pas de dégâts non plus. Hein. Parce que je le crame. Non, je ne peux pas tirer le scorpion. Allez, il n'y en a plus qu'un. Il est où? Il est là-bas. Il est derrière les barbelés. Ah, en plus, ceux qui ont les protections là. Ouais. Allez, voilà. Allez, round 3. Et bon, on va peut-être réussir à finir ce DLC. Par contre, le stuff, il est naze. Hein.
Ouais. Ah, faut que... Je n'aurais jamais cru que tu irais si... Tu l'as ou pas la fenêtre? Ouais. Bah écoute, sur cette arène numéro 3, oui, j'ai toutes les fenêtres. Ah, c'est vrai, ouais, c'est... Alors vraiment, j'avais rien du tout, là. Ah, mais c'est assez bizarre, tant mieux. Défi pistole. Oh non. C'est nul, ça, c'est naze. Donc là, les ennemis n'ont pas de debuff de vie ou de santé ou de dégâts. Bientôt par contre après ils vont se faire bœuf. Et là on va pleurer. Toi t'es là-bas. Hop. C'est moi ou elle a dit tu veux médaille au lieu de tu veux une médaille? Non, moi elle a dit qu'elle avait taché sa robe préférée. Ah, à nous c'est tu veux, moi c'était tu veux une médaille. Voyons ce que ça donne quand je rends les champs plus rapides, d'accord? En plus c'est la horde. Ah mais justement, parfait. Ton safe spot. Ah non, c'est les flingueurs, mince. Ah oui, non, là par contre. Non. Flingueurs qui courent plus vite. Oula. Merci, j'ai marre. Non, c'est bon, bouge pas. Attends pas. Il est là-bas. Il reste plus qu'un. Où est-ce qu'il est? Ah, il est en haut. Mince. Oui. Je l'avais pas vu. Non. Ça fait quoi, Sanguine? Je l'ai lancé, en fait. Oui, mais parce que comme t'es mort, elle est disparue. Sérieux? Ah oui, c'est comme moi. Quand je pose ma tourelle Scorpio, dès que je meurs, ma tourelle Scorpio disparaît. C'est dommage, ça. Ce qui est un peu débile, parce que... du coup, quand j'avais pris le talent la dernière fois, pas le bouclier, c'est la horde. Quand j'avais pris le talent la dernière fois, qui faisait que la tourelle pouvait me raise, si tu le prends en solo, ça sert à rien. Parce qu'en solo, elle dépop, donc elle te reste pas. Alors, la horde. Bonjour, messieurs. Alors attention, parce que la horde, ils peuvent balancer des haches. Hein. Ouais, mais c'est un peu trop bon. Allez, c'est les sadiques. Je crois que t'es en train de les faire bugger, là, ils bougent plus. Justement, tant mieux. Attends, j'arrive. Bon, messieurs. J'avais pas vu. Hop. Oula. Ah d'accord, les mecs en feu là, quand ils te tapent, ils te crament. Oui. Je sais pas. Il y a pas de la vie quelque part. Oh punaise. Et des boucliers plus solides, non? Et c'est les Brutas. J'ai pas beaucoup de vie. Mais tu n'as pas encore affronté la vague brutale. S'ils peuvent remettre des skacks, ça aurait été cool. Oh, bien sûr, on peut. Premier truc qui pop, c'est une brute avec un lance-roquette. Les sailles. Voilà. T'y arrives ou pas? J'en ai tué 3. Ah cool. Mais il reste plus qu'en bas. Voilà. Je veux pas trop m'avancer, mais il n'y a pas moins d'ennemis sur les vagues là?
Oui, il y a carrément moins d'ennemis. C'est bizarre, parce que techniquement c'est la dernière run, donc ça aurait dû être la plus difficile. Après on est qu'à la fin, ouais. Le boss. Ce boss. Donc attention, c'est les petits chiens. Déjà, on tue les petits mecs avec. On les crame. Voilà. Voilà. C'est moi où on va passer. Enfin, on va réussir. Enfin, je touche du bois. On va réussir plus rapidement ce level là que celui d'avant. Aucune idée. Ah oui, c'est vrai. Il reste encore deux rounds. Hein. Ouais, mais ça va aller là. Pour essayer. Ouais, on va voir. Tant qu'on n'a pas les gardiens, c'est bon. Tu viens de faire ta révolution. Alors, j'espère qu'il va pas nous faire un sixième round où en fait c'est que des boss. Un peu plus dangereux maintenant. Allez, bien. Les ennemis infligent des dégâts supplémentaires. Tu te débrouilles tellement bien que je peux pas arrêter. Aguerri. Ouais, donc c'est ils font plus de dégâts. Et c'est des skags et des. Il y a de tout là. Ouais, et ils se tapent entre eux. Ah merde, une grotte à mon pif. Il ne reste plus que deux. Un skag, hop, et voilà. C'était le joli bruit d'une rate qui explose. Donc Moxie, c'est le bruit d'une. C'est le bruit que fait une rate qui explose. Si jamais. Si les ennemis se régénèrent. Et en plus, c'est les flingueurs. C'est l'heure de la bague des flingueurs. Mais sérieusement, les cailloux qui bloquent là. Les méchants n'ont qu'à bien tenir. Le recul quand tu te fais tirer dessus, c'est horrible. Ah, il est là-bas. Il est tout au fond dans sa maison. C'était trop facile. Je vais arranger ça. Vite, faut retourner à ton spot, c'est la horde. Ouais, j'arrive. Vite, vite. Cours pour ta vie. Oh, monsieur Widjos, bien, bien, monsieur Widjos. Pas au chocolat, monsieur Widjos, tu as tout à fait raison. Ça pour m'emmerder. Pour la baston qui dit. Pour la baston et pour les pains au chocolat, oui. Alors, la horde. Venez, messieurs. Paf. Je fais une shot. Oh, qui m'a poussé? Jack est tombé. Jack, il est tombé. Gérard, il est tombé. Ah, il est tombé. Chute, chute à l'arrière. Attention. Vous
T'avais vu, hein, il tire des grenades, mais il dit attention quand il a tiré la grenade. J'ai dit attention au moment où j'ai lancé la grenade. Attends, quand même. Vous avez vu, monsieur dame. Oh non, Jacques. Non. Jacques, non. Il est tombé. Non. Le sniper 1 a fait davantage de dégâts. Tu vas être content. Pour une fois que c'est sur une arme que tu fais que ça main. Allez, on voit du coup, moi je fais l'assist. Ah non, en plus c'est les gardiens. Oh non. Il n'y a pas que des gardiens. Hein. Attends, je prends cher même en haut en fait. Non, je peux pas rester en haut. Là, j'ai... Bah ouais, mais c'est parce que les gardiens là, ils... allez. Parce qu'en bas, c'est pas du tout des gardiens. Hein. Ah. Je suis celui qui a plus de... Ben voilà. Allez, on va faire le boss. Ouais. Les gardiens, c'est le pire. C'est encore plus marrant parce que dans le prochain côté chronologique, c'est Borderlands pré-séquel. Et c'est encore plus facile de les tuer parce que tu peux les geler. Et du coup, quand tu gèles les gardiens et que vu qu'ils volent, en fait ils sont en l'air et du coup ils tombent d'eux-mêmes et du coup ils se tuent eux-mêmes, ces trous de balles. Il y a un moment, il y a un passage où vraiment ils se spoilent tous. Je me souviens même plus de ce boss là. Ah oui. Où tu vois que tu te fais attaquer par une horde de gardiens et en fait t'as juste à faire un pilonnage glacial. Et puis voilà. Ouhou. C'est très compliqué. Attends, je le vois pas. Il est caché derrière le poteau. Non, il arrive. Ou peut-être pas, regarde. Hop. Voilà. Le loot. Le loot. C'est un peu Noël. C'est nul, là. Round 5 déjà, ouais. Vache. Il n'est même pas encore à 2h30. Ça me plaît. J'adore. Continue. Continue. Allez tout le monde, faites du bruit. Allez monsieur dame, on a bientôt fini. Les ennemis utilisent davantage avec de précision et ils esquiveront toujours les attaques. Ils esquiveront plus facilement les attaques. Donc t'inquiète pas si jamais les mecs te mettent des décals au dernier moment quand tu les snipes. C'est normal. Bah c'est les chiens là. Non, c'est... Derrière, t'as... Enfin, derrière t'as pas les chiens, derrière c'est les bandits. Hein. Ah. Les chiens ils sont touchés, ils les bougent pas. Donc... Ouais parce que sûrement ils commettent en target. Oui. Donc ça, attends, il y a un mec qui est caché là, des bandits. Oh, ça pique. Ouais, du coup, ils savent contre eux, c'est vrai. Il y en a un qui est caché là. Regardez-moi ce massacre. Il est où le dernier? Il est là-bas. Cible touchée. Derrière la plateforme, non? Ouais, je crois, ouais. Oui, il est carrément... oui, non, il est carrément... du côté du TP. Ah ouais. Mais, enfin, de l'autre côté, enfin, TP. Bah, au final, le TP, on l'utilise pas. Hein. Ouais. Alors, les pistoles et l'esquive. Bah, tu vois, je pensais qu'ils allaient mettre 3 bonus malus, mais en fait je pense que c'est selon le nombre de personnes dans le jeu. Je pense que c'est plus logique, c'est pour ça qu'il y a deux malus. Enfin, bonus-malus. Bonus-malus, c'est pas un personnage de Asterix. Si. J'ai entendu ce nom quelque part.
c'est les techniciens de la lance, c'est les mecs de la lance derrière. Oh, t'inquiète, hein, tu peux rester sur ton spot. Je suis en train de les faire. Ah, ton avis. Ah tiens, et je me suis mis aujourd'hui à Warcraft 3 Reforged. Ah. Je l'avais... Enfin, j'ai joué Warcraft 3. Hein. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire la version Reforged complète. Tac. Non, je suis tombé. Donc je me suis refait... Voilà, je suis à peu près la fin de la campagne, enfin je suis la trois quarts de la campagne humaine là. Et par contre, je le fais avec... Attends, on va courir plus vite. Je le fais avec les anciennes voix. C'est grâce à un mode effet de mal gagner. Je prends les anciennes voix. Testerai peut-être avec les nouvelles, on verra. Punaise! Ah bah oui, c'est normal, tu glisses! Non, mais je me suis fait toucher et du coup je suis tombé. Ça glisse, chef! Vous glissez, chef! Alors, hop! Donc là, ils sont beaucoup plus que d'habitude. Oui, ils sont beaucoup là. Non ! Oh non ! Je suis mort. Oh non. C'est bon, je peux rester. Il a couru vers moi pour me... J'ai un second souffle. Ouais, c'est bon, ça. Le mec, en fait, j'étais en train de tirer dessus, et il a couru vers moi, et il s'est fait péter. Et du coup, comme j'ai tué au dernier moment avant qu'il se fasse péter, j'ai la grenade qui a explosé. Mais c'est bien la première fois où on tombe. Enfin, on arrive quand même, on est quand même tombé au sol. C'est la première fois qu'on tombe au sol sur cette map. On est au dernier round. Ouais. Que l'autre map là. Je sais pas combien de fois on est tombé, mais bon. Alors, on court plus vite et les critiques infligent plus de dégâts. Et c'est les Brutas. Allez, c'est parti. Finissons ce DLC. Puisse passer un des meilleurs DLC de Borderlands 1. Ah, et c'est des skags en plus. Il n'y a pas que des skags. Ouais. Bon, tant mieux. Ils sont où? Les skags en bas. Oh, il y en a un qui est à mes pieds, il sait pas où se positionner. Le skag corrosif. Quoi? En fait, il crie Oé, mais je crois qu'en fait, quand j'écoute, on dirait qu'il crie Robert. Je sais pas pourquoi. Il y en a qui sont surtout en haut. Non, la vache, ça va être plus en fait. En haut. Allons, c'est bon. Bon, dernière vague. Et on est parti. C'est le boss? Ah oui, c'est le boss. Alors, je sais pas s'il y a une sixième vague, mais en tout cas, c'est. C'est la vague du boss et les coups critiques, et on court plus vite. De les mettre en invincible. Ah, shit,
Aïe, 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 aïe. C'est du full critique, mais c'est compliqué. Allez, meurs. Allez, finis au corps à corps. Le loot! Le loot, Jack! Non. Le loot! Non, non, non. Ah, quoi, non? Toujours pas. J'ai vu le loot. T'aurais pas dû venir ici, tu vas te payer très cher. Oh non! Oh ah, punaise. Ouf, ouf. Ah, si on allait mourir ici, j'aurais. J'aurais acheté un stock tout de suite. Allez, le loot. Et on est fini. Pourri, pourri, pourri. C'est super. Allez, ne bougeons plus. Two, one, happy new year. Ça te dirait de tenter un autre round pour moi? Voilà, certificat de brutalité, 5 vagues, 5 rounds sans pitié. Et voilà, on a fini le DLC. Ah, comme quoi. Du coup, il faut aller rendre la quête au compagnon des primes qui est ici. T'es prêt? Et où? C'est ici. Ça va, oui, oui, vas-y. Voilà, et du coup, voilà, vous avez fait vos preuves jusque-là. Maintenant que vous avez survécu au 5e round, passez derrière le rideau et survivez jusqu'au 20e. Quoi? Et on a gagné un kit d'optimisation de... bah en fait, c'est si tu veux recommencer, en fait. C'est faites vos preuves. Alors, t'as 4, 5, 6. C'est juste les mêmes, mais en plus compliqué. Mais sinon, techniquement, on a fini le... Et il n'y a pas de quête sur ça? Non, je crois pas, attends. Non, on n'a plus de quête. C'est juste si tu veux faire du plus gros matos. On a gagné un niveau. Enfin, j'ai gagné un point. Donc, t'as envie de le faire? T'as gagné un niveau, je pense. Bah ouais, j'ai eu un point. T'as pas eu un point? Non. J'ai pas gagné de niveau, mais j'ai eu un point de compétence. Pas moi. Je sais pas pourquoi. Il est peut-être dans l'inventaire, non? Bah, c'était le kit d'optimisation. Ah, c'est, tu t'as pas reçu le kit d'optimisation du chasseur? Peut-être la dernière fois. Non, c'est... Bah non, c'est... Ce que j'ai gagné, c'était le kit d'optimisation. Mais Peut-être la dernière fois, j'en sais rien. Là, ouais, sûrement, j'ai rien à part des armes de non, combat. Bah non. Donc ça, on enlève. Parce que ça fait quoi? Et bah voilà, c'est fini. Là, j'ai une quête, faites vos preuves. Qui a 0 sur 1 partout. Tu l'avais pas prise? Bah non, bah, techniquement, ça, techniquement ça la prenait pour nous deux. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, clairement, j'ai 0 sur 1 partout. Oh non! Ça t'a pas pris la quête? Est-ce que le... La récompense, t'as un kit d'optimisation? Dans les récompenses, il y a 12 240 XP, 6841 argent et un logo qui ressemble à un kit d'optimisation. Ouais. Bah ouais, bah c'est ça. C'est celle que je viens de rendre. C'est celle qu'on a fait. Je sais pas, mais quand on était sur les jeux, t'avais pas de quête en route quand on était dans les arènes? J'en sais rien. T'as pas fait gaffe? Si à droite, il y avait... Ah non, moi je me suis dit que c'est toi qui gérais les quêtes, donc je me suis dit... Bah ouais, mais techniquement c'est partagé. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Depuis le début qu'on est sur Borderlands, toutes les quêtes sont partagées. Bah ouais. Bon, bah... Ah tiens, il y a un des flingues légendaires, si tu veux, qui est vendu. C'est le pistolet que j'ai, mais il est moins bon que celui que j'ai. Puissance de feu infinie, ça veut dire que ça se recharge? Attends. Ah non, non, ça c'est juste le nom. Ah, quoique, attends. Il y a peut-être moyen.
Vas-y, je vais laisser... tu l'achètes ? Je sais pas. Dis-le, moi, si oui, je l'achète. Vas-y, je le prends. Vas-y. Les tests, voir si les munitions baissent, mais ça met... Je pense pas que c'est celui comme celui qu'on avait où les munitions baissaient pas. Non, il y a des munitions. Ouais. Ouais, c'est comme celui que j'ai... Ah, par contre, tu recharges beaucoup plus vite. Ouais. Oui, 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 il fait quand même plus de dégâts que l'autre. Hein. Ouais, je vais le garder. Vas-y. J'aime bien celui qui fait plus en recharger, je l'aime beaucoup. Ça, je compte. Et ben. On retourne à New Haven. Bah oui. Et du coup, on fera le prochain DLC. Mais je pensais que ça avait t'avais pris la quête. Je suis désolé, je suis déçu aussi. Bah, je sais pas. Ah, t'es dans ton menu. Oui, je regarde les quêtes justement. Ouais. Là, dans les quêtes, il y a la descente du bus. Suivre le claptrap dans Firestone. Hein ? Qui sont pas finis ? Mais il y a 0 d'XP, 0 dollars. Non, mais les quêtes qui sont terminées. Normalement, c'est dans l'onglet terminé ou c'est dans l'onglet à faire ? C'est dans la coupe. Oui, mais est-ce que tout en haut, il est marqué terminé ? Non, il y a une croix rouge. Il y a une croix... C'est la quête du début, ça. Celle qu'on a fait au tout début. C'est quoi ce bordel ? Sérieusement ? Ah oui, à la descente du bus, c'est la toute première quête où on doit suivre Claptrap dans la ville, tu te souviens plus ? Je pense pas rien. Dans Firestone, c'était la toute première ville qu'on a visitée, c'était on devait suivre Claptrap et que même... je râlais parce que il faisait par ici. Tu as vu? Mais c'est bizarre. Si, mais voilà. Enfin là, ouais, là j'ai marqué. Alors c'est dans la catégorie coupe avec une croix rouge. Il y a marqué inaccessible. Une catégorie de quête inaccessible. Il y a à la descente du bus. Non, c'est bon. Je sais pourquoi. C'est parce que comme on a terminé le jeu, ça c'est la quête du parcours numéro 2. En gros, en mode bruta, c'est le mode chasseur ultime numéro 1. D'accord. Et en gros, t'as dû sûrement lancer une partie en mode parcours numéro 2. T'as dû faire... J'ai rien lancé sans toi, moi. C'est vrai, c'est bizarre. Par contre, il y a marqué niveau 34. Et faites vos preuves, il y a marqué niveau 15. Oui, non, ça c'est normal. Bah, le fait de vos preuves, c'est celle que je viens de faire, donc je pensais que tu l'avais pris. Et que c'était partagé surtout. Mais le truc du bus, c'est parce que c'est pour le prochain parcours. C'est quand tu recommences le jeu en fait. D'accord. Tu vois, tu peux recommencer le jeu. Oui, un New Game Plus. Un New Game Plus, voilà. Et après, t'as le New Game Plus Plus. Bon, bah, retournons à New Haven. Ok. Et du coup, bah, le prochain stream, ce sera sur le prochain DLC, qui sera l'armurerie du Général Nox. Ok. Général Nox, qui... Enfin, lui, sera un peu plus long, hein, c'est sûr qu'un stream, on va pas le finir. Et ce sera en rapport avec Atlas. Oula, pardon. Ce sera en rapport avec Atlas, et on découvrira le personnage... principal dans le lore de Borderlands Pré-Séquel, qui sera Athéna. 699, c'est celui que j'ai, quoi. En gros, parce que dans Borderlands Pré-Séquel, tu vois, comme là dans l'histoire, dans Borderlands 1, c'est entre guillemets, enfin ils ont tous découvert l'arche, etc. Mais dans Borderlands Pré-Séquel, c'est vraiment comme si tu jouais Athéna. Enfin, c'est un peu elle, l'héroïne principale du jeu. Parce que à la fin, tu vois que ça finit sur une cinématique avec elle, etc. Oh ! Pour partir du bon pied. Qui fait lui? Oui, 14 de tir assez élevé.
Ah, alors attends. Attends, moi le 1092 il m'intéresse bien. Bah, les deux m'intéressent. Bah vas-y, je prends lui. Comment on fait? Tu maintiens E. Encore des snipes. C'est un peu Noël? Pas ouf, hein. J'en ai... Il fait combien le tien? 680. Bah, c'est exactement le même que celui que j'ai déjà. Ah bah attends, tiens. J'ai t'en jeté un. Il fait 800 bien, celui que j'ai joué. Il est où? Je l'ai jeté. Il est là. Ça alors, c'est mon jour de chance. Donc lui, il sert à rien. Non, je vais le garder. Et c'est jeté. Ah oui, en effet. Alors. 147 et 183. Ah, peut-être elle. Moi, tu l'as voulu? Non, non, justement. Bon. 107, 221. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça. Oh! Flingue légendaire. T'as une tâche. Dégâts au corps à corps plus 500%. Parce qu'il a une petite hache. Ouais. Vas-y, prends-le. Sucker Punch, c'est le nom, je l'ai. Quel meilleur gars! Alors, du coup. Ouais, Sucker Punch, c'est un film. Ouais. Très bon film. Très psychologique. Hein. Ouais. Première fois que je l'avais vu, j'ai rien compris. Mais c'est l'ayant revu bien plus tard que je me suis dit. Ah ouais, quand même. Ah, c'est un super film. Très perturbant, quand même. Oui, ça, oui, c'est sûr que. Alors ça je garde, ça je prends pas. Celui je le garde, lui je le garde. J'ai le même. On fait notre petit duel. De toute façon, oui. Vu leur qu'il est, on a un peu de temps. Allez, parti. Comment on fait déjà? V. V. J'y vais au petit pistolet. Tiens, comme le celui que tu m'as fait lui. What? Moi j'ai fait. Bah t'es passé à travers. Ah ok, d'accord. Alors, par contre, corps à corps, il... J'avais pas visé. Ah non! D'accord, j'ai visé. Je l'ai tué au corps à corps. Ah, j'avais pas vu le petit pistolet là, Sucker Punch. Vas-y, c'est quoi? Ah, regarde. Ça, c'est un pistolet, ça? C'est, et puis c'est... C'est quoi cette cadence de tir? Ah non, c'est un SMG. C'est un, ouais, ah, c'est un mitraillette. Okay. C'est une mitraillette. Oui. Comment tu veux? Vas-y. Attends. Ça me servira d'entraînement. Oh, il a pris le sniper à 800. Petit coquin. Pratique. Ah bah oui, parce que tu fais des... C'est ça qui est bien, c'est que... Je crois qu'il fait des dégâts de feu, en plus. Non. Il fait pas des dégâts de feu? Non. Il fait beaucoup plus de dégâts que celui que j'avais avant. Précision, pareil. Cadence de tir, pareil. Zoom, pareil. Par contre, dégâts critiques, plus 200, pareil. Par contre, les dégâts tout court, je suis passé de plus 70, je crois, à plus 107. Pour ah oui, donc oui. Et sachant qu'il passait... je l'ai adoré. Ah, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un bon film... Sucker Punch. Très joli. Très joli. Bon bah attends, il faut attendre que je revienne. Attends, bah attends, je vais acheter de la vie. Ça va être plus simple. Où est-ce qu'il est, Docteur Z? Docteur Z, il est là. Alors, hop. Non, mince. Stylote. C'est parti. Petite dernière. Je t'attends en plein milieu. Là, ce que je me suis fait ce week-end dernier, c'était le manga, je sais pas si tu connais, Mob Psycho 100. Le manga Mob Psycho 100. Je connais Psycho Pass, mais ça, c'est pas possible. C'est Mob Psycho 100. C'est... En gros, c'est... C'est...
Ben, je crois que ça doit être le même dessinateur qui a fait. Comment. Ah, c'est. J'allais dire, c'est un manga de ta génération. Et oh. C'est pas, c'est un truc. C'est un. Onizuka. Ah. C'est, je pense que c'est le même dessinateur que Onizuka. Enfin, je crois. Parce que y a des passages. C'est. En gros, c'est l'histoire de Mob. Qui est un jeune garçon. Oh, et comment il triche. Qui est un jeune garçon, en fait, qui a des pouvoirs psychiques. Mais ses pouvoirs psychiques sont tellement puissants, en fait, qu'il les bride. D'accord. Et du coup, comme il bride ses pouvoirs, bah, il ressent pas beaucoup de sentiments, des trucs comme ça. Et il est très très naïf, mais c'est à mourir de rire parce que des fois tu vois des persos, genre c'est une femme normale, et puis 2 secondes après, tu vois qu'elle fait une tête en mode vraiment genre vieux chinois dans les mangas ultra moche avec la barbe et tout. Faudrait que si jamais tu regardes, c'est pas mal. Mais t'arrêtes, oui, dis donc! Eh, j'ai pas mis lancer l'oiseau, hein. Ah ouais, mais t'es avec ton fusil sniper, là! Oui, mais c'est mon arme! Tu triches, tu triches! Tu triches! Attends, attends, j'ai une régène, là, T'as vu, hein, ouais, Joyce, il triche, hein, il triche. T'es cheaté avec ton talent! Sniper. T'es cheaté avec ton talent, c'est tout! Eh, hey, viens là que je te tape. Viens là. L'autre jour. Calotte de tes morts l'autre jour. Ah, pas loin. Pas loin, pas loin. Bon. Je m'avoue vaincu. Il triche tout le temps partout. Ah non, je suis désolé, je ne triche pas du tout. Je respecte les règles ton du jeu. Ton perso, il est cheaté. Dans le jeu. Ton point. Perso, il est cheaté. C'est le jeu qui a voulu ça, ce n'est pas moi. Cheaté de ouf. C'est une honte. Envoyez un mail à Gearbox. Ah bah tiens, il y a. Si tu veux, il y a la mitrailleuse légendaire que j'utilise, la mitrailleuse de feu. Non, à côté. Par contre, elle part dans 40 minutes, dans 1 minute 40. Si tu la veux. La Hellfire machin là ? Ouais. La TB Combustion Hellfire, c'est celle que j'ai. Je crois. Non. Attends, c'est celle que j'ai ou pas ? Ah non, c'est pas la même. C'est pas la même. Bah, prends-la si tu veux les comparer. Non, bah non, elle est moins bonne que celle que j'ai. Bon, où est-ce qu'il est, Viens là. Encore ? Viens là. Voilà, il a eu sa vie. Qu'est-ce qu'il dit, t'es d'accord avec nous, Robert ? Ah, Robert, il est d'accord avec nous. Hein. Il dit que t'es cheaté. Et c'est ainsi que nous avons perdu Robert. T'es toujours là ? Oui. Robert va te coucher. C'est ainsi que Robert disparu du Twitch game. Bon bah voilà. Bon, ça fait 4 victoires à 1. Je retiens. Non. Bah si, t'as gagné 4 fois, j'ai perdu le game une fois. Oui. Mais t'as, je vais faire un tableau Excel avec. Ah, bien sûr. Bon, on s'arrête. Je quitte, hein. Oh, tu quittes ? Quitte, et comme ça. Hop. Du coup, je quitte également. Alors, Touk, OBS, tu te mets là. Touk, petite transition. Et ben voilà, c'était le 3e DLC de Borderlands Gauthier Unleashed, ou Borderlands 1. Qui était Émeute à l'Underdome de Mad Moxie.
Donc prochain DLC, l'armerie du général Nox, qui est un très très bon DLC, je trouve. C'est un des meilleurs. C'est si je mettrais dans l'ordre, je mettrais Nox, Claptrap, le premier, je l'ai déjà oublié, enfin Dr Ned et Mad Boxy. Il y a combien de DLC restants là ? Il y en a 4, il y en a que 4 pour le jeu. Non, non, restant. Restant, il y en a que 2. Il y a l'armurerie du général Nox et la révolution du Claptrap, du Super Ninja Claptrap. D'accord. Et ensuite, ça sera Borderlands Pré-Séquel. Et là, dans Borderlands Pré-Séquel, il y a le meilleur DLC de tous les Borderlands confondus. C'est à l'intérieur de Claptrap. Non, franchement, c'est pas ce que tu penses, mais c'est franchement un DLC où tu rigoles, mais bah, on est dans entre guillemets dans sa tête, non ? C'est ça. En fait, c'est dans l'histoire, c'est on doit récupérer des plans secrets qui ont été cachés dans Claptrap, et du coup, en fait, on va devoir donc se balader déjà dans le Claptrap avec les circuits imprimés et tout, donc genre ça fait vraiment futuriste quand tu te déplaces dedans, tu prends des courants et tout électrique, enfin c'est trop bien fait. Les ennemis, c'est des genres de drones, c'est des drones de sécurité, et ce qui est encore mieux, c'est que on va visiter les différentes mémoires de Claptrap. D'accord. Et on va comprendre beaucoup de choses. Et on va être triste aussi. Ah ben ça, je me doute. Voilà. Du coup, c'est le meilleur DLC. Et en plus, ce qui est encore plus marrant, c'est que dans Borderlands Pré-Séquel, tu peux jouer avec Claptrap. Et du coup, quand tu joues avec Claptrap et que tu vas dans Claptrap, comme là, dans le passage, c'est en gros, tu vois Jack qui scanne Claptrap pour en gros faire un truc d'hologramme que tu rentres dedans. Là, c'est toi qui vas directement te faire scanner, si tu joues Claptrap, pour rentrer dans toi, en fait. Et il y a des moments où tu peux casser des trucs dans le Claptrap, et quand c'est toi qui le fais, c'est encore plus marrant, parce que t'as des répliques, genre « n'allez pas voir dans ce coin-là », des trucs ça, genre c'est vraiment, il veut te cacher vraiment tout plein de trucs. Okay. Voilà. Du coup, quand on fera Borderlands Pré-Séquel, eh bien, on va se quitter là. Oui. Y a rien ce week-end de mémoire. Du Pokémon Unite tous les jours. Oui. Et si j'ai la foi, Zelda. Zelda. Et je suis au courant. Zelda. Two Point Hospital. Voilà. Oui. Moi, de toute façon, Pokémon Unite tous les jours. Ah, bon, donc du coup, pour ceux qui regardent, je sais pas si... Non, il n'y a pas de VOD pour Pokémon Unite. Non, c'est non. Pour faire des heures et oui, faire des trucs quotidiens. Bon, sur la chaîne YouTube, vous n'aurez pas Pokémon Unite. Il y en a déjà un peu. Oui, il y en a trois différents. N'hésitez pas à les regarder. Non, il y en a 6 ou 7 des Pokémon Unite déjà. Déjà 6 ou 7 ? Oui. Ah. Je me souviens plus. Ça fait longtemps. Il y en a 6, je l'ai sous les yeux là, il y en a 6. Ah 6 ? Ah bah voilà. Donc ouais. N'hésitez pas à regarder les 6 premières vidéos. Bon après, je crois que c'était pour les événements que t'avais fait en plus. C'était pour la sortie du jeu, puis les événements. Et là, même s'il y a d'autres événements, c'est pas intéressant. Donc c'est juste faire des classés, voir si on est bon ou pas. Lol. Et le jour où il y aura un vrai gros nouvel événement avec un nouveau tout menu, oui, il y aura de la VOD. Mais pour l'instant, là, c'est... C'est un peu rébarbatif, mais c'est un peu comme farmer du League of Legends, en fait. C'est un peu la même. Ouais. Donc voilà. Sauf que, pour League of Legends, il n'y a pas Pikachu. Voilà. C'est tout. Oui. Il y a Zeri. On peut dire que Zeri, c'est Pikachu. Mais bon. Je sais pas qui c'est. C'est l'avant-dernier perso sorti. C'est une fille électrique. Enfin, c'est une fille qui... C'est un ADC... Qui est relié à la foudre, etc. D'accord. Voilà. Bon, du coup, on va se laisser.
on va passer une bonne soirée. Oui. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à suivre Vincent Studio sur les réseaux sociaux, ouais, qui sont Facebook, Twitter, Instagram, et nous rejoindre sur notre Discord. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, comme ça vous aurez le planning et les différents liens susnommés. C'était Draken et Jake. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À toutes. Cordialement bisous. Cordialement bisous.